Le paysage qui est derrière moi est très idyllique, sauvage. La vallée de l'Orbe qui forme ici quasiment un canyon au sens littéral du terme et ce pont ancien. Tout cela laisse mal pressentir ou deviner que se trouvait là, au Moyen-Âge, une ville très importante. Une ville qui doit sa vocation à sa position sur les voies de communication. C'est d'une part l'ancienne voie romaine qui venant d'Orbe franchissait le Jura par Jougne, et d'autre part la voie qui menait d'ici à Lassara ou Romain Mottier. Et qui dit emplacement stratégique décisif sur une voie de communication dit aussi péage, argent et enjeux économiques. Chaque fois que je viens en Clé, je suis émerveillé parce que c'est un lieu qui est propre à susciter l'imagination. Ce château, dont les origines remontent à une période de souveraineté des comtes de Bourgogne, a surtout été marqué par la période savoyarde à partir du milieu du XIIIe siècle et jusqu'à l'arrivée des Bernois et des Confédérés au moment des guerres de Bourgogne, c'est-à-dire un peu plus de deux siècles de période relativement stable. 1475, guerre de Bourgogne, les Savoyards, qui sont maîtres d'une bonne partie du pays de Vaud, sont alors dans le mauvais camp, celui des perdants. D'où la destruction, la prise et la destruction de nombreuses villes et châteaux importants dans la région. Et ici, au Clé, la ville n'y survivra pas.